Qui marche en France, l'usine a expulsé depuis 2003 les préfets ont des objectifs d'expulsion à atteindre. 29 288 en 2011, 30 000 annoncés, pardon, en 2009, 30 000 annoncés pour 2011. Derrière ce chiffre se cache une chasse à l'homme livrée sur les terres de l'extrême droite. Cela ne trompe personne. Hier, Moarem, Rome du Kosovo, séparé de sa femme enceinte et de ses trois enfants, renvoyé en Louvdée, en Serbie, pays qui n'est pas le sien et qu'il ne connaissait pas jusque-là. Aujourd'hui, sa femme et ses enfants vivent cachés de peur de subir le même sort. Aujourd'hui, c'est le tour de Luc, un étudiant angolais. Luc se trouve actuellement fermé au centre de rétention administrative de Toulouse, car il a eu le tort d'échouer à cet examen à l'université. Il craint d'être expulsé à tout moment. Tout ceci n'est pas une fiction. Cela se passe ici, chez nous, à La Rochelle, et est la conséquence d'une sinistre politique du chiffre au service d'une politique xénophobe. Mais cela se passe partout comme ça en France. Pourquoi 30 000? Pourquoi pas 6 500 ou 80 000? Parce que 30 000 ne correspond à aucune mesure concrète dans l'esprit des citoyens. Est-ce parce qu'il y a 30 000 criminels parmi les étrangers en France? Certainement pas. La délinquance parmi les étrangers est nettement inférieure que sur la population française. On a des chiffres qui le prouvent. 30 000 expulsions parce que les finances publiques sont dans un état désastreux? Certainement pas. Il en coûte plus cher à l'État d'expulser un sans-papier que de le régulariser. On nous a également dit... Un peu de respect. On nous a également dit que les immigrés étaient massivement responsables de l'échec scolaire. Là encore, les statistiques viennent nous prouver le contraire. Les étrangers sont-ils responsables du chômage? À supposer qu'il y ait une once de vérité dans cette affirmation, ce n'est pas 30 000 qu'il faudrait expulser, mais 5 millions. Savez-vous qu'en 52 minutes, et en notre nom à tous, 30 000 expulsés représentent 4 expulsions par heure? Oui, 4 à l'heure. Ceci 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et 365 jours par an. Nous ressentons le besoin impérieux de réveiller la conscience des citoyens face à ce scandale qu'on leur présente sous le chiffre cruellement abstrait de 30 000. Les personnes sans papier sur le territoire font l'objet d'une véritable traque de la part de la police pour parvenir aux objectifs croissants d'expulsion. Cette chasse entraîne inéluctablement des discriminations et le non-respect des droits des personnes. Au bout de l'arrestation, il y a le centre de rétention administrative, puis l'avion à destination d'un pays que la plupart d'eux ne connaissent pas. Quand un pays s'assied sur les décisions de justice, avec les sans-papiers, solidarité, avec les sans-papiers.
Quand un pays s'assied sur les décisions de justice pour continuer partout en France à emprisonner des sans-papiers au seul motif que leur présence est illégale sur le territoire, pour expulser en juillet dernier à Bordeaux un sans-papier, bien que le juge des libertés avait ordonné sa libération, pour expulser Moirem vers la Serbie le 25 août, alors que la Cour européenne des droits de l'homme avait décidé de suspendre son expulsion vers le Kosovo, pour expulser le 5 septembre dernier, à 9h55, une famille rome, alors qu'à 10h même, le tribunal de Rouen ordonnait leur remise en liberté. Alors nous sommes en danger, tous, parce que notre démocratie est en danger. Car je le répète, tout ceci est fait en notre nom à tous. Nous refusons de nous plier à cette politique xénophobe. Nous continuons à combattre cette politique par tous nos moyens. La migration est la forme la plus ancienne de toutes les libertés, celle d'aller et venir. C'est une liberté fondamentale de la personne humaine. Lutter pour que soient respectés les droits des étrangers, fussent-ils sans papier, c'est lutter pour tous les hommes. Quand un pays pratique l'humanisme au bulldozer, légitime la chasse et l'enfermement des migrants et de leurs enfants, la désobéissance civile s'impose. Alors je vous demande de désobéir avec nous. Faites savoir par vos fictions et par la puissance de vos médias que ce scandale n'est pas une fiction. Nous disons non à la persécution, non à l'enfermement et non à l'expulsion de tous les papiers sans papiers. Merci. Oui, donc Luc est au centre de rétention depuis hier. Je l'ai eu cet après-midi au téléphone. Donc il y a eu un recours de déposé contre le placement en rétention, déposé hier soir. Donc on devra avoir une convocation au tribunal d'ici demain ou après-demain plutôt. Au niveau du moral, bon, c'était moyen forcément. Il a eu une visite cet après-midi, donc ça c'est toujours bon quand même pour son moral, mais c'était très moyen, il s'inquiète par rapport à son inscription à l'université, puisqu'il a fait une préinscription, mais pas son inscription définitive, il était inquiet par rapport à ça. J'ai eu des infos par rapport à l'inscription, donc je vais le rappeler pour le rassurer.